Bonjour et bienvenue dans À votre santé, votre rendez-vous bien-être, naturopathie et médecine douce. Nous sommes en plein Ramadan et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le jeûne. Le jeûne, par définition, vient de la racine jejunum, qui signifie en latin la partie la plus grande de l'intestin grêle. Jeûner, c'est donc s'abstenir de s'alimenter pendant un certain temps, c'est donc mettre au repos le système digestif. Voyons maintenant les bienfaits du jeûne. Premièrement, nous l'avons vu précédemment, mettre au repos le système digestif, c'est également faire une économie d'énergie. Le corps, dans son intelligence, va pouvoir utiliser cette énergie à bon escient, notamment pour se réparer. Deuxièmement, lorsque le corps est en train de jeûner, il va également chercher à puiser son énergie dans les réserves. C'est donc un bon moyen de perdre du poids. Troisièmement, on sait aujourd'hui que le fait de jeûner stimule l'immunité et stimule notamment la production de nos globules blancs, de nos anticorps. Quatrièmement, d'un point de vue plus subtil cette fois-ci, on sait que jeûner permet une libération émotionnelle, un éclaircissement du mental et a un impact également sur notre mémoire et notre concentration. J'aimerais porter votre attention sur l'importance de jeûner en conscience. On a vu ensemble les bienfaits du jeûne, encore faut-il ne pas perdre les bénéfices acquis tout au long de la journée. Premièrement, raisonnons plutôt en termes de qualité plutôt que de quantité. Apportons des aliments sains, bio, crus, vivants à notre corps. Et également, veillons justement à ne pas trop être rassasiés pour ne pas demander à notre corps trop d'énergie dans la digestion. On sait aujourd'hui scientifiquement que de diminuer d'un tiers notre portion alimentaire permet d'augmenter notre longévité. Par ailleurs, cette économie d'énergie peut être utilisée plus subtilement pour aller justement dans l'introversion, dans la spiritualité, d'où justement l'intérêt de ce jeûne du mois de Ramadan. Cet épisode s'achève. Je vous dis donc à très bientôt. À votre santé.